Simplement, mardi, au lieu de marcher, là on a marché combien? 1h15 pour monter, 3/4 pour venir, 2h, 2h30. Une demi-heure pour venir. On a marché 2h, entre 2h et 2h30. La balade de mardi, ça sera le double. Voilà, deux fois ça. En ce qui concerne le dénivelé, on fera un peu plus de dénivelé, c'est-à-dire on fera 100 mètres de plus de dénivelé. Là, on en a fait environ 350 à 400, on en fera 500. Voilà. Et le lac est pratiquement sec. Ah oui, la terre qui pose ça, c'est pas bon. Bah là après, vous avez soit le Cholet, rue de Saint-Jean, soit la Vernaise. La Vernaise, dans les boulevards. On est bien. Oui, ça coûte pas beaucoup, mais ça coûte. Donc il faut une carte. Ah bah là par contre. Est-ce qu'il y a la réciprocité ici sur le Vercors et la Bretagne? À Vercors-Bretagne, je suis pas sûr qu'il y ait une carte culturelle directe en train de la faire. Mais par contre, il y a des cartes temporaires, il y a des cartes... Mais Yana, tu fais un sandwich. Normalement, on fait 2 km aller-retour, un peu moins de 2 km aller-retour. C'est normalement. Ça peut très rapidement augmenter suivant la linéaire que vous allez prendre. Alors, comme je ne sais pas où vous en êtes du point de vue d'orientation, je vais vous donner quelques éléments qu'on trouve sur la carte. Alors déjà, on va trouver tous les éléments concernant le relief. Ici, on est en montagne, il y a du relief. Et donc, le relief est représenté en marron sur les cartes. Alors, sous forme de courbes, ce qu'on appelle les courbes de Divot. Alors, peut-être dans les jeunes, on a des gens qui savent ce que c'est que les courbes de Divot. C'est qu'il y a quelque chose qui est lié à la pente. En fait, quand on passe d'une courbe de niveau à une autre, on est monté de 10 mètres ou on est descendu de 10 mètres suivant le sens dans lequel on se déplace. Alors voilà la carte ici, avec les courbes de niveau. Ça donne une idée de ce que c'est qu'une courbe de niveau. Alors donc, à un endroit... Ici, on a des courbes de niveau qui sont rondes et concentriques, avec une petite flèche qui rentre à l'intérieur comme ça. Alors quand il y a une petite flèche comme ça, c'est un creux, c'est une doline. Alors que quand on a effectivement qu'un point côté, c'est un sommet. Alors je retrouve... La boussole. La boussole, le gars, là-haut. Fais sud ou quoi, là? Il faut qu'on note sur la feuille, combien de milliers qu'on a trouvé la valise, il y a des critères. Porte le panneau, l'arbre qui porte le panneau est un orme. Ouais. Ah oui. Il est mort. Et c'est les 7 en voie de disparition, tu sais, ils sont tous morts, les ormes. Ah bah oui, bah nous. À cause d'un champignon, la graphiose, il est fait sécher sur pied. Il faut donc leur apporter toute notre attention pour les conserver. Alors là, normalement, il y a quelque chose à indiquer, c'est quoi le 44. 44, tu crois? Bah oui. C'est ça? Savoir si on a bien trouvé là. Mais tu mets à toi, attends, mets ça encore. Là où c'est quoi dans le sens où c'est ça? Ex 2004. Par contre, on va la laisser comme ça, parce qu'il y a pas d'autre. C'est mon nez dernier. Cours d'orientation. Non. D'abord, vous dites si c'est un éléphant ou un chat. Vous dites que c'est un renard. Bah, c'est oui. Un renard, alors. Oui, c'est pas une chose. Voilà, c'est bien. Avec les pas, le 11. Qui c'est qui a la boussole là? Le 11, moi j'ai une, mais le 10. Attends, on ne trouve rien là. Il filme, il ne travaille pas du tout, tu vois, il nous laisse travailler. Attends, le 10 il est donc. Le 10 est là, mais alors il faut. Le 11 est où? Le 11 est là. Parfois c'est le renouvellement artificiel, c'est-à-dire que le forestier a planté de jeunes arbres venant d'une pépinière. Ici ce sont des épicéas. Planté.
ça là. Hein ? C'est ça. Ouais, c'est ça. Il ressemble beaucoup au sapin. Il est possible de différencier le sapin du tuyau. L'un d'eux porte des fruits, des cônes, restés sur le rameau. Et donc, pour faire du sapin de bois, on a un peu de bois, on a un peu de terre. On fait cuiser tout doucement et puis après on découvre progressivement et on ramasse le charbon de bois en métal. En fait, on trouve énormément de charbon de bois là par terre. Et la terre est très noire. Bon, ça y est, attends, là, le mec de Normandie. Alors, Alain, t'as un trait comme ça, t'as moins. Oh, un mois. Je l'ai cherché pendant une heure. Alors, je ne sais pas maintenant où il sait. Striptease. C'est fort des livres. La question c'est que... Non, ça va pas moi, les arbres. On va commencer en gros. Très urgence parce qu'elle est déjà sortie une première fois au Goudou. C'est le Goudou qui se repère. Ah bah ben voilà, j'étais devant. Parce qu'en vrai, ce que vous appelez Goudou d'urgence souvent, ce sont des émergences, ou des, non pas des émergences, des ex-urgences. Comme alors là, j'ai posé la question, je n'avais même pas. Non, ils sont dans le sens de côté. Oui, mais d'où vient la scène ? On vient de là, oui, en droit, je crois, oui, c'est ça. Oui. À gauche, ce chemin là. Non, non, c'est pas celui-là. Mais non, non, tu viens de là. On vient de là, on vient de là, on est d'accord, le 7 est là. D'accord ? On a trois. Donc on va continuer. Voilà, il y a un chemin à droite. À gauche. À gauche, je veux dire. Là, il est là, le chemin. Il est là, le chemin. Il est là. Bien sûr. Là, là. La distance, là. Voilà. Lequel tu prends ? Bah, celui-là. Celui-là, là ? Tu es derrière moi, là ? Si, tu prends là-bas. Je suis là-bas. Je suis sur la distance à moi, là. Tu vois ? Ouais, ouais. Allez, fais des grands pas. Ah, petite dame! Georgette! C'est Georgette! Non, non, elle, c'est pas. C'est vrai? Mais non, c'est Cathy, c'est la Georgette! Au sol, et elle crée son propre sol. En décomposant, en faisant décomposer les premières années, vous voyez, elle crée un sol. Ce sol, il est utilisé par d'autres. Ah, oui. Là, par exemple, il a été utilisé par un groseillier. Sur la roche, là. Alors, t'as un peu de soucis, moi. Vas-y. On n'a pas le fruit. Hein. T'as pas le fruit dans le cul. Les groseilles, vous avez ramassé les groseilles? Ah si, on l'a. Tiens, bouge pas. Si, attends, si. Attends. Les groseilles?
des gros oeils quand même. Il a bouffé les groseilles. Non, la groseille, on a une groseille. On a une groseille. Des forestiers, des groseilles. On a pris, on en a pris une. Et c'est quoi l'animal là? Un petit pan, c'est un petit chevreuil. Voilà. Fraise. Voilà. Mur. Mur. Ouais. Pas mur en tout cas. Pas mur. Non mais on a trouvé une autre mur ici. Ouais. Ça, c'est un groseille. Ça, c'est la parisette à quatre feuilles. Ouais. Ouais. Parisette à quatre feuilles, saut de Salomon. Ah non, c'est pas un mur. Ça, le truc noir. Muguet, parisette à quatre feuilles. Saut de Salomon, parisette, c'est toxique. Bon, ça va, donc là on a le 5. Ouais, largement. Il y a déjà la, on c'est a déjà la feuille du noisetier. Voilà. On a une belle en plus, là. Une plus grande. Ouais, alors ça, moi je pense, tige angulaire carats. Donc du coup, on a mis carats. Je suis pas sûr de mon coup, hein, parce que les graminées, voilà, c'est dur. Les mecs sont forts en graminées, ouais, sont forts. J'étais gros. Alors ça, c'est la renoncule. Le noisetier, le hêtre, et le rosier sur le rosa canina. Eh bien, il y a le taf, là. Oh. Donc là, vous avez exactement 10 secondes pour me mettre le nom de chaque animal en face de chaque personne. Mais il m'en fait, alors, pas du de toute façon, alors oui, on a dit 2,5 là. C'est comment la chambre. Allez, hop, c'est fini, merci. Non. Au revoir. Bonne soirée. C'est des empreintes, ça. Moi, je mettrais ça. Non, c'est ici. Il y a une de tout. Il n'y a pas de renard. Il n'y a pas de renard. Non. Chameau, mouton, alors c'est entre les trois là. Moi je mettrai chevreuil, le petit ici. Je mettrai chamois et. Allez, roule. Non, t'as un peu de secondes, réfléchis. Sanglier, cerf. Pour le lapias, vous n'avez pas répondu. Vous avez une idée ou ouais, c'est quoi? J'ai pas vu moi la question. J'ai demandé que pensez-vous que c'est un torrent qui est venu battre. Ah, que l'eau. Les rochers. Non, j'ai pas lu, excuse-moi. Les rochers sont épuisés, rendus comme vous avez un éclat. Pensez-vous qu'un torrent passe ici les jours de grand feu? La mer vient de battre en bonne marée. Thank you.